dira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ouais, dira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Dira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Dira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tous les temps, les problèmes. Tous les temps, tous les temps. Tous les temps, tous les temps. Les problèmes, oh. Tous les temps, tous les temps. Guerra, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ouais, guerra, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Guerra, ce n'est pas comme ça. Non, il a plus. C'est fini, il a plus. Il a plus. Tout ça est pris. Tout ça est pris. Il y a occupé. Fouillot aussi. Oui, oui, tout ça. Il y a les gens partout ici. C'est occupé. Je comprends pas moi tout, parce que. J'ai seulement une question, Gram. Je ne connaissais pas. Comme je l'ai trouvé, c'est ça, mais. Je peux mettre mes parents. Ouais, ouais, c'est donc, vrai. Ouais. Je prévois. Tu comprends? Et qui est bailleur? Il y a encore les studios dans la cité ici. Non, il y a les studios. Moi, j'ai les gars. Voilà ta place là-bas. Moi, je suis dépassé. C'est pas ton studio. Mais est-ce qu'il y a encore la maison vide ici? Quel bailleur ici? C'est toi, lui ou l'autre? Je dis, il y a encore les studios. Tu as compris? Il y a les studios. Il y a plus de studios. C'est où? Hein? C'est où? Il y a plus de studios. Ici, il y a quelqu'un qui habite. Oui. Là, oui, il y a quelqu'un. Derrière, c'est bien fait. C'est le bailleur, mais il y a plus de studios. C'est moi le bailleur. Tu vois, ben. Ça, là, c'est les maisons que mon père a construites. J'étais le fils unique. Donc, comme il est mort, j'ai hérité. Ah, monsieur, attends, le bailleur. Il est mort. Il est mort. Tu m'insultes seulement avec ton pouvoir. Non, je dis seulement comme il est mort que j'ai pas. Où est la maison vide, de bailleur? Où est la maison vide? Attends, je suis obligé de te montrer la maison vide. Ah, peut-être qu'il a une autre. Peut-être là, nous te citer ailleurs, peut-être. Ouais. Mets ton numéro ici. Mets les numéros. D'accord. Voilà. Tu savais l'argent. Il aime l'argent plus que son propre. Je vais t'appeler. Hein. Même si tu vois un studio, ne prends pas. Tu attends, je t'appelle. D'accord. Les gens ont besoin d'argent. Vous êtes là, vous dites qu'il n'y a pas. Mon futur locataire, voilà votre futur voisin ici. Il va habiter ici. Tu vas chasser qui pleut. Vous allez voir, c'est pas votre problème. Il va habiter ici. Quelqu'un vient avec l'argent comme ça, vous voulez le faire partir? Bon, entre nous. Oui, parlons. Mais toi, tu es où? Ce n'est pas ici. J'habite là. Lui-même, il va habiter ici. Où?
Ici, dans la cité ici. Par où alors? Parce que tout est occupé. Tout est occupé. C'est moi qui vous ai dit que tout est occupé. C'est bon? Peut-être que c'est ça la nuit. Peut-être. Mais j'ai encore trois mois que je n'ai pas consommé. J'espère que ce n'est pas moi qui vais. Ah, c'est pas vous, hein. Attends. Attends, j'arrive. Vous allez comprendre. Quand vous vous posez la question, c'est un argent. Son père, c'est la vie, la lèse, après ça. Ça n'a pas un coup. Voilà, Zimoni. L'argent. Oh, tu vas voir. Vous allez vous me chasser les locataires. Parce que les gens habitent George dans ma cité. Ils habitent George. Depuis que mon père est mort, on est ici. Et depuis que papa est parti, on est là. On ne sort pas. On voit que Douala est facile. La maison est George, Douala. Et ça, tu vas voir ici. Tanti, c'est moi. Non, viens. Moi, je ne veux pas entrer là-bas. Viens. Parce qu'on n'est pas ici dans la paix. C'est pas là-dedans. Donc, moi, je vais rater l'argent. Et nous, les gens viennent habiter. La famille, c'est quoi? Pourquoi cette aise? Non, tant en famille, on ne bouffe pas l'autre. Qui m'appelle même? Voilà. Je te dis, en famille, on ne bouffe pas l'autre. Qui a bouffé qui? Attends, je vais te répondre. Laisse-moi finir avec le coup de fil ici. Voilà. Ok. Tanti, tu es quoi pour moi? Je suis la petite soeur de ton défunt papa. Voilà. Donc tu es ma tante? Oui. Ok. À ta facture. Qui te conseille? Qu'on dirait? Mais qu'on dirait, voilà. Tu as mal à la tête? Tu as déjà fait ici 15 ans. Viens, c'est toi qui m'as mis ici. Hein? C'est toi qui m'as mis ici. Qui t'a mis ici? C'est ton père. Il est mort. Mon grand frère. Il est mort. Il est mort et ce sont ses biens. Dans le roi meurt, le petit roi. Prends les royaumes. Tu connais combien coûte un parfum, toi? Dites-lui. Même le clou. Dites-lui. Tu connais combien coûte un clou? Parce que tu fais que quand mon père est mort, ça fait 5 ans aujourd'hui, et tes parents sont morts. Tu as fait 10 ans avec mon père, donc 5 ans avec moi, c'est suffisant. Moi, je ne vais pas continuer à refuser les locataires. Il y a l'argent que je refuse. Et depuis que tu reçois cet argent, tu as fait quoi? Vois le terrain derrière. Tu as même acheté une chambre. C'est ton problème. Depuis que ton papa est décédé, tu perçois l'argent. Le bien. Tu as jamais dit que me facture. Le bienfait qui habite derrière là. La fenêtre là, c'est moi qui ai mis la fenêtre là. Tu n'as rien fait ici. Le bienfait là, tu étais là, qui a mis la fenêtre là-bas. Les témoins, vous allez faire des choses qui m'inquiètent. Non. Tu as fait demander de payer. Tu m'as payé. Tu m'as payé quoi? Hein? Demande-lui, voilà. Ça, c'est le beau truc. La sorcellerie en plein jour. Le bon. Dis-moi un peu. 15 mois. 15 ans. Vous avez fait 15 ans. 15 ans. Comptez. Depuis quand on 15 ans. Quand tu es venu ici, quand on a dit que entre là, tu étais petit comme ça. Les gars, tu as même déjà la barbe. Vous sortez quand? Juste que je refuse les locataires. Petit cos. L'argent. Petit cos. Oui. Ton père a conçu en ville. Mm-hmm. J'ai conçu au village. Mais va au village. Va au village. Quand tu dors où? Quand tu viens au village, tu dors où? Chez moi. Je ne vais plus dormir là-bas. Le corps de ton père. Ouais. Voilà. Le corps de ton père était où? Voilà. Si je n'avais pas conçu au village. Oui. Tu devais recevoir tes amis au village, en plein air. Attends d'abord. Moi, même si je meurs, on m'entend des potes où. Ton père a conçu la vie, j'ai conçu au village. Ne te moque pas de moi. Tu as compris. Ne pas la moquer. C'est dans ma maison qu'on a mis le corps de ton père. C'est chez moi que tu dors. Et tu oses venir me présenter la facture? Tanti, de quoi? Il y a un locataire qui est là, il veut entrer. Il n'entre pas. Tu me connais? Ouais, toi tu me connais aussi. Toi tu me connais aussi. Maman, tu es malade. Bravo, dis-lui. Il n'y a pas que maladie, c'est. J'ai la maladie. Pour lui, je vais guérir. Si maman tombe ici, pour qui va faire, je vais guérir. Cet homme, tu vas me faire quoi? Hein?
Laisse-le pardon. Maman, tu me parles. Maman, de tous nos cousins là même d'abord, c'est le plus petit. Il cherche un alibi. Quel alibi? Il cherche un alibi que tu le bouscules pour qu'il dise. Tu pars où? Je vais faire mes rapports. Tu ne fermes rien. Tu ne fermes rien. Tu ne fermes rien. Maya, qu'est-ce qui t'arrive depuis? Tu ne fermes rien. Ça nous concerne pas. Je vais dire, ça me dit. Non, qui t'a dit? Je ne suis pas pareil. Je ne suis pas pareil. Restez alors, vous allez voir ce que je vais faire. Vous allez voir quelque chose dans la cité-ci. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Attends, tu ne vas pas habiter chez mon papa. Kinja. Marlis, tu vas sortir. Je ne sors pas. Tu vas sortir. Je ne sors pas. On verra ça. On verra ça. Passez-moi. Comment? Voilà, ça c'est le vampiriste, je te dis qu'il est. Jusqu'à il appelle les colocataires pour l'aider. Heureusement que le colocataire a refusé. Ah, Godo! Tu connais qu'on a acheté le terrain, c'est comment? J'ai participé pour l'achat de ce terrain. Ça ne va pas comme ça. Gira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ouais, Gira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Gira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Gira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tous les temps, les problèmes. Tous les temps, les problèmes. Tous les temps. Guerra, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ouais, Guerra, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Guerra, ce n'est pas comme ça. Ce qui arrive. En matière d'argent, il n'y a pas de famille. Nini, tu ne peux pas habiter chez mon père. Kinja. T'as dit que mon père l'a mis là. Oui, mon père t'a mis. Il est parti, ça fait 5 ans. Donc moi-même, je t'ai mis là. Ça fait 5 ans que tu habites. Pour un truc, je rends les locataires comme ça tous les jours. Tu vas sortir. On verra ça. Comment? Ce qui arrive, ce qui va arriver là. Ah, moi, je m'en fous. C'est grave. Si la dame s'y meurt dans cette maison, on va vous citer à témoin. J'ai dit que... Marcus! Chez quoi? Toi, Chérie, regarde ce que le païen a fait. Il l'a pétiché la maison. Avec sa tante à l'intérieur. Bon, toi là-haut. Elle est arrivée à ce niveau. Bravo! Elle est dedans. C'est ton cousin qui a mis ça. Maître! Alors maman, c'est ça. Ça, c'est un moins compatible. C'est à bon, il veut finir avec ça. On dit souvent qu'il y a les gens qui aiment l'argent plus que les gens. Attends. Non. Ne touche surtout pas. Attends, j'appelle Chantal. On appelle les gens, c'est comme ça. Oh non, Chantal. Allô, Chantal. Tu es où? Viens vite voir ce que ton neveu Titikos a fait chez moi. Non! Il faut que tu viennes. Maman! Viens maintenant et c'est une question de vie ou de mort. T'as dit qu'il est parti chez le malade. Moi, je peux faire ça. J'ai participé pour l'achat de ce terrain. Ouais. J'ai participé pour l'achat de ce terrain. Ouais.
Mon grand frère n'a pas été fou de me loger ici. Vraiment? Ouais. Et voilà ce qu'il vient faire. Lui, mais il a fait fort. Il faut finir ça. Lui, mais il a fait fort. Chérie, filme bien. Filme bien. Avec le plan sur ça. J'ai peur. Levez deux. Voilà ce que Tito s'est venu poser chez moi. Il est venu ce matin. Monte comme ça, mais tu n'arrêtes pas là-bas. Reste là-bas. Viens, tiens-toi ici. Il est venu ce matin me demander de payer sa tante. Je lui ai dit que mon grand frère me laisse ici. Quoi, tu me demandes de payer la maison. En vertu de quoi? Comme tu entends. Ça fait quelque chose de là. Il a joué maman. Bravo. C'est son père qui t'a logé ici, non? Son père qui est notre grand frère. Et c'est lui qui t'a fait ça? Ouais. Voir les voisins sont payés, voir les voisins. Mais c'est ça, c'est la maman. Il vient mettre un nouveau locataire. Il passait parce qu'il a une nouvelle locataire. Je n'ai même pas vu après comment il a posé ça. Il me dit que donc il ne va pas encaisser l'argent des locataires parce que je suis là. J'ai déjà fait 15 ans ici. 10 ans pendant que son père vivait, 5 ans pendant que lui l'a pris. Moi, je ne vais pas laisser la paix. Je vais aller les citer là-bas chez lui. Ça ne m'a rien payé. Tu ne vas pas faire le studio comme ça. Tu économises. C'est moi qui dois souffrir. Tu es là, tu ne peux pas venir mourir ici. Je te dis, c'est dangereux, c'est dangereux. On n'est plus en sécurité avec toi ici. Là où tu es, mon argent est sur ce terrain. Quel argent? Donc, va sur la tombe de ton père parler. Va sur la tombe de ton père parler, moi. Je vais sur la tombe de ton père parler. Oui. Mais allez, t'as Aujourd'hui, Pitikos vient me mettre les fétiches devant ma porte ou mon frère.
votre grand frère m'a laissé. J'anéantis avec ce sel. Parce que tu as le Dieu de sel. Comme le sel s'est anéanti. Ouais, finis avec ton Dieu. Tu te dégages. Le sel anéantit. Tout ce que tu dis a fait, lui soit retourné au nom puissant de Jésus. Amen. Le Dieu de la vie. Amen. Voilà. Continue. Tu es locataire. Ah, hein? Tu as compris, non? Comme je t'ai dit au téléphone, tu es venu avec les 6 mois. Il n'y a pas de problème, 6 mois j'ai. D'accord, alors je vais d'abord te montrer. Bien, non, l'argent d'abord, l'argent après je te montre. Hein? Je t'ai dit qu'il y a un studio, on dit qu'il n'y a pas. Il y a un studio. Papa? Non. Tu regardes? Oui. Merci déjà pour l'argent. Non, ça, c'est elle ne font rien de leur vie. C'est le manque aussi. Elle est ici, l'autre est là-bas. Mais comment elle s'y retrouve? Tous les matins, si ce n'est pas ici, elles sont assises, c'est là-bas. C'est le match. Voilà, tu as régné ta famille pour l'argent. C'est pas un problème. Et tu n'as rien fait. Tu as régné ta famille. Tu vois pas. Depuis 5 ans que tu gères, tu n'as pas encore construit une seule chambre. Trouve aussi un mari. Elle, au moins, c'est un mari. Trouve aussi ta part de mari. Jean entre aujourd'hui, Paul entre demain. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu discutes la maison de ton père. Toi, tu as construit. Ma boutique n'est pas fermée. Alors, je te montre. Je vais aller. Moi, je te montre. Je vais venir là pour un nouveau locataire. Voici ta nouvelle maison. Là, c'est ta nouvelle maison. Vérifie, hein? Vérifie bien. Elle vient me confisquer la maison. Hein? C'est l'argent que j'allais rater comme ça. Ça veut dire quoi? C'est clair! Non, mais c'est clair! Là, c'est clair! Non! Voilà! Ça, là, la moitié de la série Amdoado! Charlotte, nouvelle voisine là! Vas-y! Et nous, tu auras le son mari était là l'autre jour! Ah, son mari? Oui, oui, c'est là! Il y a un Biafra derrière! Un Biafra!
un Nigérian. Hey. Il est derrière comme ça. Ouais. Non, on tu auras le temps de les connaître. Ok. Maintenant, tu me fais la facture et je repars à la boutique. Non, on va faire la facture. Mmh. On va. Je te donne une bière. Tu bois la bière? Non. Je vais te donner un jus. Et on va. Là, je prends le pic là. On va faire la facture. Wacha. Tu fais la facture ou pas? On va, ça. Il n'y a pas de problème. On va faire la facture. Tu vas m'attendre à Roussa. Je vais faire la facture. D'accord. Hé! Vas-y. Va t'apporter tes choses, tu viens avec. Non, c'est pas grave, il va appeler Dikama, il va transporter ça avec toi tout à l'heure. D'accord. Il est content. C'est vraiment propre, hein. Non, je fais mes enfants ici. Allons-y. Gira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ouais, Guira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Guira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Guira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tous les temps, les problèmes. Le Maguidashi, depuis qu'il est entré dans ma cité, si je ne respire plus, non, hein? Hey, à 4h du matin, quelqu'un ne peut plus dormir chez lui à domicile, et nous, le Maguida a commencé avec la prière. Tu comprends? Allah me bague pas, Allah me bague pas, j'ai encore où elle est pas. Qui t'a dit que tu es arrivé? Comment? À 4h du matin, tu ne peux pas dormir chez toi, Nulé. Tu as pris un locataire musulman. Voilà. Et à Guerra, que je le trouve là-bas. La prière là, c'est fini comme ça. Comment? Allah me bague pas. Allah me bague pas. Comment? Oh, Maguida. Hey. On dit que les Jacques, ils sont les moutons, ils sont têtus. Hey. Et je parle, ils ne me regardent pas. Oh, Maguida, je te parle, c'est comment? Mon frère, pourquoi vous êtes comme ça? Je suis Koba. Tu trouves que quand tu fais sa prière, tu viens l'interrompre? C'est la mosquée ici. Ça, c'est la mosquée. Hein? Donc, je n'ai pas le droit de prier chez moi comme je veux. Il y a combien de mosquées dans ces quartiers? Là-bas, il y a une mosquée. De l'autre côté-là, il y en a une autre. Toi, ta part de prière, c'est toujours devant ma véranda. Et tu m'empêches de dormir. C'est quelle histoire? Voyez. Je ne paye pas ta maison. Tu payes la maison. Et c'est quoi ton problème? Pourquoi tu viens m'interrompre quand j'ai prié? Tu ne peux pas attendre quand j'ai fini, tu viens parler. Il est 4h du matin. Hein? Il est 4h du matin. Et 4h du matin, c'est la nuit chez toi? C'est la nuit chez moi. De 22h jusqu'à 4h, toi, tu es parti où? Ah, je suis un homme à beaucoup que je dois me réveiller à 4h. C'est ça? Parce que toi, tu ne peux pas prier doucement. Hein? Un homme doit se réveiller à 4h du matin. Bon, moi, je suis une femme, j'accepte. Je dis ici, là, tu m'arrêtes ta prière, là. Comment? Sinon, tu vas sortir de ma mission. C'est quelle histoire, ça? Laisse-moi continuer ma prière. Quand je vais finir, on va discuter. Oui. Je n'ai rien à te dire pour le moment. Ah, tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire. Hé, Aguirre, là. Alors, bon. Et continue. Hein. Oh, Maguida, arrête-moi ta prière. Je ne blague pas avec toi. Hein. Dieu va te punir, mon frère. Dieu va te punir. Voilà, Dieu va te punir. Ah, toi-même, il va te punir. C'est lui qui t'a dit de réveiller les gens quand ils dorment. C'est quel genre de prière? Si je paye la maison, si j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Tu as compris, non? Non, tu n'as tu pas. Tu m'empêches pas. Tu n'as pas le droit de me réveiller alors que moi je suis endormi. Ça, c'est. Dieu n'a pas demandé d'autre là. Si tu toi, tu pars où dans la sorcellerie la nuit, tu ne dors pas là. Faut laisser les gens tranquilles. C'est toi le sorcier. Nos gars,
C'est toi le sorcier. Comment? Puis encore là, je vois. Oh, Magida, Magida, arrête-moi ta prière. Je ne blague pas avec toi. Dieu va te punir, mon frère. Dieu va te punir. Ben là, Dieu va te punir. Ah. Je vais te manquer le respect. Tu manques le respect. Calme-toi. Oui, mais tu ne me connais pas. Je suis un bacha. Hein. Tu noir. Je suis un bacha. Hein. Tu es bassin, non? Tu es bassin. Je suis un bacha. Si je peux la maison ici, si j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Tu as compris, non? Non, tu n'as tu pas. M'empêches pas. Tu n'as pas le droit de me réveiller. Je suis un zougo 100%. La fille du bien. Prie encore là, je vois. Okay. Comment? Ça, c'est quoi? Tu ne dors pas chez toi? Non, bon. Ok. Comme tu veux les problèmes, ça va. La prière est finie comme ça. Ouais. Allah il dit tout à l'heure. Bon, mais tu vas Allah il tu parles donc pas toi. Problème à il dit hein? Problème à il problème, ça va faire les problèmes là. Gira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ouais, Gira.